dans cette deuxième vidéo sur la création des papiers décoratifs avec une peinture à bas prix. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai utilisé des papiers décoratifs qu'on a créés dans la vidéo 1 pour découper des éléments prêts à être utilisés dans mes créations. Tu verras également que j'ai choisi une des feuilles que j'ai je l'ai coupée en deux que j'ai ensuite utilisée comme des fonds pour deux créations. Bien que ce projet n'ait pas commencé comme un projet inspiré de mon âme, mais plutôt comme une réponse pratique. Une des membres de notre groupe Facebook Art Journaling Pas à Pas a récemment fait un commentaire disant que faire des fonds la tracasse. Et en plus, je sais qu'une autre membre de notre groupe a acheté les peintures acryliques peu chères. Alors je me suis dit que je répondrai à ça en créant un petit atelier qui pourrait peut-être être utile à certaines personnes. Ce qui s'est passé cependant, c'est que cette aventure a abouti à une véritable leçon d'âme. Tu te souviendras de la vidéo 1 que j'étais un peu frustrée de travailler avec ces peintures et à vrai dire, j'ai failli de ne pas partager la vidéo avec toi. Alors que j'étais sur le point de jeter les papiers décoratifs que j'ai créés à la poubelle. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Il y avait une petite voix dans mon cœur qui disait « Donne une chance à ces peintures et ces papiers. Il y a du bon dans tout. Essaye de te lier d'amitié avec eux. Et le reste suivra spontanément. » Alors, merci à ma voix intérieure, car c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris quelques respirations calmes et profondes, j'ai étalé les papiers devant moi et je les ai touchés doucement, les ai regardés et lentement, j'ai commencé à sentir que quelque chose voulait être créé à partir d'eux. Je ne savais toujours pas quoi exactement, mais je me sentais inspirée et excitée. Alors, maintenant, je t'invite à faire une tasse de thé, à t'asseoir et à te détendre en regardant le reste de cette vidéo. Alors, pour faire quelque chose avec cette page, j'ai décidé de le couper en deux et donc je peux faire deux projets différents.